Monsieur le préfet maritime, représenté par le contre-amiral Delamcourt, monsieur le député, monsieur le maire, monsieur l'attaché de l'ambassade Castel, mesdames, messieurs, je commencerai mon propos par rendre hommage à ceux qui m'ont précédé au sein de notre association depuis sa création jusqu'à Hervé Graal, à qui j'ai succédé. Aujourd'hui, sa santé ne me permet pas d'être des nôtres. J'ai une pensée amicale et reconnaissante envers lui. L'évocation de Mercel Kébir soulève encore des passions, même si les détails de la véritable histoire de cette dramatique affaire ne sont pas toujours bien connus. La flotte est répartie principalement entre Toulon, Alexandrie, Dakar, Oran et les ports anglais. Churchill ne veut pas courir le risque de l'avoir tombé dans le camp de l'adversaire. Pour pouvoir continuer à se battre sur terre, il a besoin de conserver la maîtrise des mers. La flotte française constitue un danger si elle est utilisée par l'ennemi. Il prend la décision de saisir, de neutraliser les unités françaises. Le 2 juillet, il lance l'opération Catapulte. Les bâtiments repliés dans les ports britanniques sont capturés par surprise. À Alexandrie, un accord est trouvé entre les amiraux français et britanniques. Mais à Mercel Kébir, c'est le drame. La Royal Navy attaque les unités françaises au mouillage. En cette fin de juin 40, la France vient de perdre une bataille décisive et se trouve sous le coup d'une armistice. La force du raid
mouillé dans le port algérien de Mersel Kébir, est en cours de désarmement. Cette force comprend 4 cuirassés de Dunkerque, de Strasbourg, de Provence, la Bretagne, un transport d'hydravions, le commandant Est, et 6 contre-torpilleurs, Mogador, Volta, Terrible, Lynx, Tigre, Tiercin. La convention d'armistice est assez ambiguë pour donner aux Britanniques le prétexte d'intervenir afin de neutraliser les navires français. Dans la crainte, invoque-t-il, qu'ils ne soient capturés par les Allemands. L'attaque de la flotte française par une escadre britannique les 3 et 6 juillet 40 a laissé une blessure profonde dans la mémoire des rescapés et des proches des marins disparus. 17 minutes ont suffi pour sceller le sort de 1297 marins. Aujourd'hui, le souvenir est partagé entre le devoir de mémoire et l'acceptation du pardon. Pour ce qui concerne le pardon, le temps a fait son œuvre et l'heure est désormais à l'apaisement. La présence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne et d'une délégation d'anciens marins du HMS Wood à la commémoration du 3 juillet 2006 à Brest s'est inscrite dans une volonté commune de réconciliation. Aujourd'hui, dans cette continuité, nous pouvons saluer la présence des représentants de cette association, Madame Moya Jackson, secrétaire générale, et de son mari Mark Jackson, responsable des cérémonies, et du capitaine Katzel, représentant l'ambassade, attaché de défense. Le souvenir de ce qui s'est passé restera encore longtemps ancré dans la mémoire collective, d'autant que la douleur a été ravivée par le spectacle insoutenable du cimetière de Mersel Kébir, vandalisé et profané. Cette situation remet en perspective le nécessaire rapatriement des corps de ces marins dont le sacrifice exige de leur pays qu'on leur accorde la paix et la dignité de leur sépulture. Nous sommes ici rassemblés pour saluer la mémoire de nos pères, victimes de cet événement majeur de la Seconde Guerre mondiale. Sachez que d'autres rassemblements se dérouleront les jours prochains pour commémorer ce triste anniversaire. À Toulon, où notre association organise une cérémonie au Cap Brun devant le monument rappelant le souvenir de tous les marins morts pour la France, mais également à Carnot, dans l'Hérault, à Nîmes, à Villefranche-sur-Mer, à Pornic, en Loire-Atlantique, à Miribel, dans la région lyonnaise, à Boulogne, en Corse, à Vigianello, près de Propriano. Je serai présent à Lannion, dans le département des Côtes-du-Morts, le 6 juillet prochain, avec l'École Bleue, qui, pour la 4e année, organise cette journée du souvenir. Nous serons plus de 100 au ravivage de la flamme de l'Arc de Triomphe le 3 juillet. Une délégation d'élus municipaux des jeunes des communes de Plougonvelin, Plumauguère, Saint-Renan, conduite par M. Gilles Mounier, maire de Saint-Renan, nous accompagnera. Merci à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Cela sera un moment très intense d'émotion ce jour anniversaire avec le représentant de l'ambassade d'Angleterre, nous espérons. Et nous aurons également la présence de notre député, Didier Legac, et de Bruno Joncourt. Aujourd'hui, nous avons également une pensée particulière pour Émile Bon, rescapé du Dunkerque, Yves Joncourt, rescapé du Strasbourg, Pierre Cellier, rescapé du Lynx, qui viennent de nous quitter, tous trois en l'espace d'un mois. Nous ne les oublierons jamais. Je terminerai mon propos en remerciant tous ceux qui ont contribué à la solennité de cette commémoration. L'amiral Demlingourt, représentant Monsieur le Préfet Maritime, la Marine Nationale, qui commémore ici ses morts pour la France, la ville de Brest, toujours présente à nos côtés, et qui s'inscrit ainsi dans l'histoire et la tradition maritime de la cité du Ponant, le souvenir français avec son président Charles Bizien et les associations patriotiques, accompagnés de leur porte-drapeau, ainsi que nos amis anglais, Madame et Monsieur Jackson, qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous, et vous tous enfin, mes amis ici présents, dont la fidélité au souvenir de nos disparus reste intacte et participe, contre vent et marée, à nous encourager à suivre le chemin tracé par ceux et celles qui nous ont précédés. Je vous remercie de votre attention.